une journée comme aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est confronté quotidiennement à la problématique du passage à la majorité, où c'est des jeunes qui sont dans le handicap, dans la santé mentale, dans l'aide à la jeunesse, le protectionnel et aussi la partie placement avec des juges de la jeunesse. Et où ils ont un parcours institutionnel généralement très important, ce qui fait qu'ils sont classés toute leur vie, ils n'ont jamais vraiment le choix. Ils se retrouvent à 18 ans, là, tu dois faire des choix, tu dois faire des démarches. Et en fait, ils n'y connaissent rien, et évidemment, ils n'y peuvent rien. Et donc, nous, c'est comment est-ce qu'on peut les aider dans cette transition, sachant que nous, notre mandat, c'est jusque 18 ans, et que tout se fait un peu du jour au lendemain. Du coup, de pouvoir entendre ce que les autres institutions, ce que les autres ASBL, tout ça font par rapport à cette transition. Ça nous apporte plein de pistes. De descendre sur le terrain, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, d'être en contact avec ces jeunes et de vraiment pouvoir mettre l'accent sur cette nécessaire intersectorialité et de pouvoir vraiment venir tous les secteurs confondus ensemble autour du jeune, là où il se trouve. Et un peu comme on l'a dit tout à l'heure, d'arrêter le principe de la patate chaude et d'essayer de couper ces jeunes en problématiques, en secteurs, en silos. Ça développe mon réseau, je pense. Et je pense que la majeure partie de mon travail reste de développer un réseau qui pourra le mieux possible correspondre à la personnalité et aux envies du jeune que je vais réorienter. La journée apporte une caution intellectuelle et scientifique aux idées qui transparaissent dans notre façon de travailler. Au niveau de la transversalité, je trouve ça intéressant de pouvoir voir que ce qui se fait ailleurs est aussi sujet à réflexion pour notre service. Et ça fait un peu aussi écho, on peut prendre de la hauteur intellectuelle par rapport au quotidien dans lequel on est tout le temps. Oui, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Ça m'amène à la réflexion, ça permet de faire du réseau aussi, d'essayer de voir un petit peu ben voilà, qu'est-ce qu'il existe d'autre que ce qu'on connaît déjà. Et donc, voilà, c'est vraiment hyper riche à différents niveaux. Inspirer de bonnes pratiques chez les collègues, rencontrer ben, tous ces nombreux projets, voir toutes ces images, ben, c'est vraiment hyper enrichissant. Et tous les échanges au niveau de la salle, on se rend compte aussi qu'on partage un même vécu par rapport aux jeunes et qu'il est vraiment temps qu'on bouge et qu'on fasse quelque chose dans le même sens pour tous ces jeunes qui sont en transition. Et voilà, c'est vraiment un partage d'expérience hyper bénéfique et enrichissant pour les travailleurs sociaux que nous sommes. Je suis venue chercher des connaissances, du réseau, des idées nouvelles, des pistes. Pas mal de réflexivité aussi par rapport à ma pratique, à ce qui se fait, à ce qui existe. Et en ça a été vachement riche, intéressant. Et puis ce que je viens chercher aussi, c'est de cultiver l'enthousiasme et l'envie de faire et de continuer. C'est des photos que tu as faites là, celles qui sont derrière? Oui, c'est la photo suivante. J'éprouve une émotion forte d'accomplissement et de joie parce que J'aurais toujours rêvé de laisser une trace quelque part sur cette terre, même si elle est un petit peu insignifiante, donc je suis bien content.